Salut à tous et bienvenue dans cette preview de Zombie Army 4 Dead War, puisque le studio Rebellion nous a invités à jouer au jeu en avant-première à la fin du mois de novembre. C'était à Paris, du côté du Père Lachaise, dans un lieu assez lugubre, histoire de nous mettre dans l'ambiance. Alors, Zombie Army 4 Dead War sort le 4 février prochain sur PC, sur Xbox One et sur PS4. Concernant la version qui a été testée là, eh bien les captures ont été effectuées sur des PS4 Pro. Et elles ont été limitées à 20 minutes. C'est ce que je vous propose dans la suite de cette vidéo. Alors, au niveau de l'histoire, j'ai envie de dire que ce n'est pas très, très, très important sur un jeu comme celui-là. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment se défouler, massacrer du zombie, massacrer du nazi. Et là-dessus, le jeu y arrive plutôt bien, surtout quand on est en coop. Mais alors, sachez que si vous avez joué au 3, vous savez que vous avez jeté Zombie Hitler dans les flammes de l'enfer. Manque de bol, et bien sûr, eh ben, il y revient. Et c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Le jeu étant développé par le studio Rebellion, à qui l'on doit également la saga Sniper Elite et puis également Strange Brigade, et ben on retrouve des éléments de ces séries-là dans Zombie Army, puisque on a d'une part la kill cam qui est de retour, puisque c'est le fameux ralenti avec sur la balle qui explose les os et déchiquette les organes de la cible. Donc ça, c'est un élément qui était dans Sniper Elite, on le retrouve également dans Zombie Army. Et puis on a également bien sûr ce co-op à 4 comme dans Strange Brigade. Le jeu propose une grosse partie de personnalisation et de customisation des personnages, avec l'apparence d'une part, mais aussi le stuff, aussi les émotions et les provocations du personnage. Alors au niveau du gameplay, je vais vous laisser découvrir ça dans la suite de ma capture. Sachez toutefois que moi, il y a deux éléments qui m'ont particulièrement plu. Alors déjà, c'est les jauges d'ultra qu'on va un petit peu remplir au fur et à mesure qu'on fait des kills, et qui vont permettre de faire des takedowns sur du corps à corps, ou alors d'enclencher des actions plus dévastatrices à distance. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis l'autre chose, c'est qu'on va retrouver parmi le loot, au sein des différents niveaux qu'on va traverser, on va retrouver des extensions qui vont venir se mettre sur nos armes, et qui vont leur rajouter des dégâts élémentaires. Donc, par exemple, vous verrez dans la vidéo qu'à un moment donné, dans la deuxième partie de la vidéo, sur mon fusil à pompe, qui est déjà mon arme préférée, eh ben, je vais attacher un module qui va me permettre de faire des dégâts électriques et donc d'exploser un petit peu tout ce qui passe. Alors, je vous laisse maintenant regarder la suite de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire avec un pouce bleu. Si vous avez des questions sur le jeu, lâchez-vous sur les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao! Commander is controlling the core. Looking so good.
careful now, boys. Don't go tired on me. Never count out a Russian. He's raising the dead! No surrender! Keep on coming. Suicide down. This is one of the books. Suicide down.
killing machine after all. Amazing. That supply crate might be useful. Don't fear, Boris is here. It'll take more than that to keep me down. Hey! You ain't know something. Weapon attachment here! I have found a supply crate! I will finish the job, be here once again. And you, wait here with Bod. Blast! We'll be bombarded! Oh, get the bastards off my boat! Ah!
giant! Supply crate, right here. Rambo before the might of Boris Medvedev. Nice one! Now, who is giant, huh? Sorry, I can't hear you. What are you doing?